du Bancho, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour un yaoi H-Conseiller 16 ans et plus. Et je peux enfin te le présenter. Donc je vais te parler de ce yaoi. Donc je te laisse lire le titre parce que j'ai peur de m'aventurer à prononcer son nom. Donc nous sommes avec l'auteur Amama Atsuki, un mangaka dont on n'a aucune autre œuvre pour l'instant disponible en France. Mais si j'ai bien compris, peut-être que la maison d'édition Buzzlove se tenterait... Enfin, tenter le truc de peut-être présenter d'autres séries. Je te en parle un peu plus loin, mais voilà. Donc, nous sommes sur un manga du coup des éditions Buzzlove dans la collection Anna Collection. Nous sommes sur une œuvre qui date de 2016 au Japon et de novembre 2016 en France. Donc, c'est cool, on l'a eu la même année. Et voilà, donc c'est un manga dans le genre romance, étrange de vie. Et bah, c'est tout. H-Conseiller 16 ans et plus, ça je le redis au cas où. Donc, voilà, donc je te laisse avec la suite. Donc du coup, en ce qui concerne le manga, donc déjà je tiens à le placer au cas où, mais je suis encore un petit peu malade. Donc en ce qui concerne la qualité du dessin, je t'avouerai que je l'adore, et juste entre les jaquettes et la qualité du dessin peut me convaincre et m'a convaincu en fait de vouloir lire la deuxième œuvre de l'auteur. Après, donc du coup, l'auteur, je tiens à le placer, il n'a qu'une seule autre œuvre de disponible au Japon qui date de 2014. J'espère du coup que la maison d'édition Buzzlove va nous la proposer, parce que franchement moi j'ai juste adoré celui-ci, donc voilà, je veux savoir ce que c'est l'autre. Donc en ce qui concerne cette œuvre, je tiens à le placer directement. Nous sommes sur un manga qui propose 3 œuvres, 3 chapitres, 3 histoires. C'est écrit à l'arrière sur la ligne rouge, donc quand on le voit en boutique, si on lit l'arrière, si on regarde l'arrière, hein, tout soit peu, on voit une ligne rouge, on est tenté d'aller la lire, parce que moi les résumés je les lis pas forcément, voilà. Mais la ligne rouge m'aurait attiré, donc j'aurais vu directement. Suivez 3 histoires très différentes, mais tout aussi torrides dans le premier manga de Amama Atsuki, édité en France. Donc voilà. Donc on a 3 chapitres, 3 histoires, mais je tiens aussi à le placer parce que c'est très important. Et c'est surtout très important pour moi quand je lis ce genre de manga, c'est un chapitre, une histoire. L'œuvre est divisée en 3 et à la perfection. Donc ça déjà c'est super. Parce que ça veut dire qu'on va pas avoir, par exemple, l'histoire 1 va prendre genre, allez, la moitié du manga, et les deux autres vont se partager le un quart qui reste. Là non, on a vraiment un tiers et basta. Donc déjà ce qui permet que toutes les œuvres aient leur même chance au niveau du nombre de pages. Donc ça déjà c'est top. En ce qui concerne l'œuvre en soi, donc déjà en ce qui concerne les 3 œuvres, la première c'est un méga coup de cœur. Je vais te mettre une sorte de note sur 10 vite fait pour que tu puisses voir la différence en fait entre les 3. Donc la première œuvre c'est un méga coup de cœur, la deuxième c'est un j'adore, et la troisième c'est un j'adore un petit peu plus que la deuxième. Donc voilà, je te mets une petite note vite fait sur 10. C'est juste pour te donner une idée en fait du classement réel et de la différence entre la deuxième et la troisième au niveau de mon avis. Donc voilà. En ce qui concerne les 3 histoires, donc le premier résumé, je te le mets, c'est le résumé officiel pour l'histoire 1. Je vais te le mettre, ça sera un résumé chapitre 1. Et je vais essayer moi-même de te faire à l'écrit du coup des résumés de ce qui se passe dans les 2 autres œuvres. Alors je ne garantis pas que ça soit génial ici, je ne te garantis pas que ça soit très carré et tout au niveau de du résumé de ce qui se passe. Mais c'est juste histoire que tu aies une piste de ce qui se passe dans l'œuvre et savoir si les 3 œuvres peuvent t'intéresser ou pas du tout. En ce qui concerne du coup la première œuvre, qui donc la mise en avant, présentée, résumée, officielle et tout le tralala, honnêtement, on peut... Alors, par rapport déjà au développement des 3 histoires, je trouve que un chapitre, ça suffit. Mais on aurait pu avoir un manga entier pour chaque histoire, ça ne m'aurait pas déplu. Malheureusement, je trouve que ces 3 histoires auraient... Alors... On va rester sur le fait qu'un manga standard, ça a 180 pages. Je te dirais que pour les 3, 150 pages grand maxi m'aurait plu. Je veux dire que les 30 dernières pages, ça aurait été trop. Donc en gros, j'aurais bien aimé par exemple, tu vois, 3 one-shots avec les 3 histoires. Et par exemple, qu'il y ait une petite histoire bonus. Donc du coup, honnêtement, je trouve que 150 pages, ça aurait été parfait. Mais par contre, 180, ça aurait été trop. Donc voilà. En ce qui concerne les 3 œuvres, franchement, je te les conseille. Je les ai adorées. Comme je t'ai dit, j'ai quand même une préférence. Mais je trouve qu'elles sont suffisamment développées par rapport au nombre de pages qu'elles ont eues. Je te dirais franchement que c'est super, que c'est sympa et c'est très agréable. Donc honnêtement, j'adore et je te conseille ce manga et je l'aime. Donc je te mets la note totale. Comme ça, tu pourras un peu mieux te guider. Je suis un petit peu malade et quand je suis malade, j'ai vraiment du mal à expliquer.
Mais il fallait vraiment que je te filme cette vidéo. Donc voilà. Donc je te laisse avec la suite. Donc du coup on termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures. Et je vais enfin pouvoir te révéler pourquoi j'ai dit en début de vidéo que je pense que la maison d'édition Voice Love va peut-être nous présenter d'autres œuvres de l'auteur. Tout simplement, je t'en parlerai quand ce sera le moment, c'est à l'arrière de la jaquette en fait, tout simplement. Donc en ce qui concerne l'avant de la jaquette, je l'adore. Et c'est vrai qu'elle m'a donné un petit peu envie d'acheter en fait. C'était... pas le fait qu'il soit dénudé, mais plus le fait que les deux personnages se ressemblaient. Et après, bon, on a l'information derrière, bien entendu, donc dans le résumé. Mais voilà, la couverture me plaisait avec un beau fond noir, l'image qui est belle. Les regards un petit peu du genre, comment dire, provocateur. Donc j'ai vraiment tout aimé au niveau de l'apparence de la jaquette. En ce qui concerne l'arrière, du coup, on retrouve nos mêmes personnages. L'image n'est pas vraiment choquante, ils sont habillés. Hein. Je tiens à le dire, ils ont encore leurs pantalons. Et les braguettes sont fermées. Voilà, au cas où. Donc voilà, donc du coup, on a le résumé. Et c'est ça qui me fait dire, la ligne rouge, qui me fait dire qu'il y aura peut-être d'autres œuvres de l'auteur. Ce que j'aimerais bien, parce que franchement, j'ai adoré cette œuvre, comme tu as pu le comprendre. Donc il y a marqué suivi trois histoires très différentes, mais tout aussi torrides dans ce premier manga d'Amama Atsuki édité en France. C'est ça qui m'a fait dans ce premier manga de l'auteur édité en France. Donc ça veut peut-être dire qu'ils envisagent, tu vois, d'en présenter d'autres. En tout cas, c'est ce que j'aimerais énormément. Donc voilà. Avec bien entendu ici, si, public averti écrit là dans le rectangle blanc. Donc quand on ouvre le manga, pas de grande surprise. Donc l'avant, on a la même image mais en rouge et blanc, on va dire. Et l'arrière avec écrit pareil, juste Anna Collection. Donc du coup, quand on ouvre le manga, on a droit à la même image en couleur. Voilà. Alors par contre, je préviens que l'image suivante peut surprendre les un peu plus jeunes. Donc voilà, à toi de voir si tu veux voir la suite. Donc voilà, l'image de chapitre où il y en a un qui a la main vraiment dans le pantalon. Oui, oui. Voilà, et c'est surtout, moi, donc on va censurer comme ça, la page des chapitres que je trouve sublime avec un dégradé de violet à noir. Et il y a des petits triangles, je sais pas si on verra, si, voilà, il y a des petits triangles. Donc je trouve ça plutôt sympa et plutôt joli. Et donc du coup, après, on commence directement avec l'œuvre. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu connaissais cette série et si tu l'as déjà lu, ce que toi tu en as pensé. Si tu ne l'as pas encore lu, n'hésite pas à me dire si tu envisageais de l'acheter ou si tu n'envisageais pas de l'acheter. Et si ma vidéo t'a convaincu, par exemple, à changer d'avis ou t'a convaincu justement à passer le pas. Sur ce, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et très rapidement aussi pour de nouveaux yaoi. Sur ce, bye, à bientôt, love you.